Regardez Clubhouse avec Boursorama Banque, banque en ligne avec son époque. Retrouvez Clubhouse avec parioweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Clubhouse. Aujourd'hui, dans cette émission, nous recevrons un invité de prestige, l'entraîneur du club de handball de Mios Biganos. Et puis, tout à l'heure, Pierre Ducasse viendra nous parler des résultats des Girondins de Bordeaux, son cas personnel. On verra ça tout à l'heure. Mais d'abord, donc, place à notre premier invité. Il s'agit d'Emmanuel Maillonnade. Bonjour, Emmanuel. Merci de venir sur notre plateau. Avec plaisir. On va rester ensemble pendant un long moment pour parler de Mios Biganos, club de handball féminin, hein, il faut le rappeler. Alors, première question, présentez-vous en quelques mots. Avant de parler du club, c'est une longue histoire de famille, mais vous êtes qui, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Alors, Emmanuel Maillonnade, 28 ans, je suis l'entraîneur de cette équipe première de Mios depuis maintenant 5 ans. Et puis, voilà, j'ai joué à un niveau très moyen avant que quelques opérations du genou me disent stop, et du coup ben voilà, je me suis lancé dans l'entraînement et l'opportunité s'est offerte à moi d'entraîner l'équipe première, et c'est avec grand plaisir que j'ai relevé ce challenge il y a 5 ans maintenant. Il y a 5 ans, d'accord. Alors Mios Biganos, c'est une histoire de famille, on peut résumer ça comme ça, de grand-père à tout le monde y passe un peu, hein, c'est ouais, ça. Oui, effectivement, c'est une obligation de jouer au handball quand on s'appelle Maillonnade. Après, je pense que le niveau et la qualité fait qu'on y reste ou qu'on n'y reste pas. Mais tout le monde gravite encore un petit peu autour du club aujourd'hui. Le club a été fondé il y a une trentaine d'années par mon grand-père, toujours président aujourd'hui. Roger Maillonnade, c'est ça ? Exactement. Mon tonton décédé aujourd'hui avant d'entraîner cette équipe en la faisant monter et gravir tous les échelons année après année. Et puis, voilà, suite à son décès, j'ai repris le club, et donc ça reste effectivement une affaire de famille. Ouais, c'est ça, hein, c'était Dominique Maillonnade, voilà, qui a connu aussi beaucoup de choses avec cette équipe. Dans l'histoire justement de Mios Biganos, l'équipe féminine, je le rappelle, il y a eu de grands noms qui sont passés. On en parlait juste avant de commencer cette émission, on pense à Myriam Corfanti par exemple, qui jouait jusqu'à l'année dernière encore. Hein. Ouais, effectivement. Alors Myriam a été championne du monde en portant les couleurs en parallèle de Mios, donc c'est une très très grande championne, une fille extraordinaire qui a mis un terme à sa carrière entre parenthèses parce que pour congé maternité, puisqu'elle a mis au monde un petit garçon en décembre, et elle devrait reprendre a priori incessamment sous peu. D'accord, c'est vraiment une grande passion, quoi. Oui, je pense. Ouais. Emmanuel, avant de prolonger, de vous découvrir un petit peu plus, je vous propose de regarder ce sujet. C'est des images qui datent de septembre. Hein. On va vous voir à l'œuvre et puis on développera un petit peu juste après. Regardez. Ça reste aligné sur un ballon que je prends ici, je m'organise, tac, en première intention, avant que ça ait le temps de se désaligner, j'essaye de le prendre vite. Avec cet homme, rien n'est jamais laissé au hasard. Manu Maillonnade, élu par ses pairs deux fois de suite meilleur entraîneur de Ligue féminine, est un perfectionniste. Cela tombe bien, après la défaite face à Issy-les-Moulineaux lors de la première journée, le travail ne manque pas. On a quand même enregistré 7 changements. Ce qui est non négligeable, surtout dans un sport collectif comme le handball. On a renouvelé 50% de l'effectif depuis que je suis à la tête de l'équipe première. On s'en sort plutôt pas mal parce qu'on a à chaque fois misé sur la continuité dans le groupe et des filles se connaissaient. L'année dernière, par exemple, depuis 3-4 ans, ils bossent ensemble depuis 3-4 ans. Donc il y a des relations qui sont déjà en place, déjà existantes, et ça n'a pas de prix, quoi. Aujourd'hui, on doit reconstruire, on s'entraîne bien plus qu'avant encore parce qu'on a beaucoup de retard et ce n'est pas évident. Chaque année, avec le plus petit budget de l'élite, il réalise des miracles. Les résultats de Mios Biganos sont exceptionnels depuis 4 ans. Une Coupe de France, deux fois 3e et une fois 4e en championnat, deux 8e de finale de Coupe d'Europe, sans jamais oublier l'essentiel. Le maintien sera notre priorité du moment. Il faut qu'on soit capable de le prendre le plus rapidement possible. Il va falloir être trop costaud et répondre présent assez vite, mais le maintien sera l'objectif avec la Coupe d'Europe en février, dans laquelle on va essayer aussi de bien figurer. Manu Maillonnade, le Benjamin des entraîneurs tricolores, l'héritier. Depuis 3 générations, Mios, c'est le club de la famille Maillonnade. Manu est le fils de Gérard, le vice-président.
et petit-fils de Roger, l'emblématique président fondateur du club en 1970. Roger, le gardien du temple, est intarissable sur son entraîneur.